à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu particulière, car on a la chance, l'énorme chance et la grande surprise de recevoir très prochainement l'auteur de romans noirs et de romans tout court, Franck Bouys. Donc, on le recevra en fait le samedi 11 mai 2019 à 10h30 pour une rencontre autour de son dernier ouvrage, Né d'aucune femme, qui est juste là et qui est sorti en tout début d'année. On aura la chance en fait de pouvoir avoir un temps d'échange avec l'auteur en partenariat avec la librairie Luciole, une librairie qui est basée à Vienne. Donc, alors rapidement pour présenter le personnage, enfin l'auteur. Donc Franck Bouys, il est né en 1965 à Brive-la-Gaillarde. Et il a réellement commencé en fait à écrire, enfin un peu tardivement, parce que c'est à partir de la quarantaine qu'il publie son premier roman qui est juste là et qui s'intitule en fait Grossir le ciel. C'est un roman qui a été couronné par nombreux prix. C'est un roman absolument enfin, percutant, enfin, je dirais. Et c'est un roman qui, moi, d'emblée, m'a touchée au cœur. Enfin, tant par le style que par le récit. Voilà, donc un roman qui est sorti en 2014, puis vint Plateau en 2017, donc c'est le second roman, donc tout le temps le même style, tout le temps des choses aussi qui reviennent avec des histoires qui se passent dans une campagne un peu profonde avec des personnes qui ne parlent pas beaucoup, enfin des grands taiseux, mais où il se passe énormément de choses. Troisième roman, qui est juste là, qui est sorti en 2018 et qui s'intitule Glaise. Donc Glaise, il est un peu particulier parce qu'on retrouve toujours enfin, le même style propre à Franck Bouys. Là, il rajoute quelque chose d'un peu particulier puisqu'il campe son récit justement au début de la Première Guerre mondiale, enfin, avec le départ des hommes, etc. Enfin, des femmes qui se retrouvent toutes seules à devoir gérer des fermes, etc. Ou des personnes aussi un peu âgées qui ne peuvent pas s'engager pour l'armée et qui se retrouvent en fait à devoir gérer enfin, tous les différents travaux agricoles, etc. Alors ce qui est intéressant aussi dans celui-ci, mais je vous en dis pas plus, c'est qu'il y a au niveau des personnages un espèce d'équilibre entre deux personnages qui sont tout jeunes, qui sont entre l'adolescence et l'âge adulte, et ces deux personnages sont un garçon et une fille. Et puis pour le dernier roman, donc qui est juste là, qui s'intitule Né d'aucune femme, alors là en fait c'est un roman qui est sorti en tout début d'année, en janvier, et c'est un roman qui est absolument magnifique. Voilà, donc là, on est toujours sur le même registre. Je suis désolée, j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que c'est un livre qui m'a énormément touchée. Voilà, j'ai encore du mal à m'en remettre. Et là, l'héroïne, pour la première fois, est une femme. Voilà, donc ces livres seront tous présents à la médiathèque. Donc on va les mettre en présentation. Je ne peux que vous conseiller de les lire. Alors, dans l'ordre que vous voulez, il n'y a vraiment aucune importance. Mais si, comme moi, en fait, vous avez envie de voir un petit peu l'évolution dans le style d'écriture, dans les personnages, etc., je vous conseille de les lire peut-être dans l'ordre. Après, dans le désordre, c'est pas bien grave parce que je pense que vous percevrez enfin, toute la beauté et la finesse en fait de l'écriture de Franck Bouys et des différents portraits de personnages qu'il dresse.